La Suissesse Yannika Sprunger en selle avec Bacardi VDL, un étalon KWPN de 11 ans par Corland. Elle aussi à titre individuel dans cette épreuve qualificative pour le Grand Prix du Global Champions Tour en direct à 18h45. Ça, c'est très joliment fait, beaucoup de précision, un très bon sauteur, grand cheval avec grande action, très aérien sur les sauts. Et une cavalière qui sort beaucoup de chevaux hein, différents chaque année, c'est vraiment... Elle a été révélée avec Paloubet, la longue, bien évidemment. Oui, mais depuis, elle en a toujours eu. Exactement, quand elle l'a vendue, parce que ça coûtait une petite fortune. C'était pas Neymar, mais ça valait cher quand même. Pas loin. Paloubet, la longue, à l'époque, c'était du Neymar à l'échelle de l'équitation. Et on s'est dit, ah, ben voilà, c'est dommage, mais elle a continué au plus haut niveau. La preuve qu'elle est avant tout une grande cavalière. Grande cavalière avec des chevaux qui sont très très en confiance avec elle. On sent qu'il y a une belle entente avec ses chevaux. Oui, mais attention, deux points de temps et il commence à y avoir pas mal de couples à un point, à les cinquièmes pour l'instant, mais il y a beaucoup de monde. Ils étaient 59 au départ de cette Global Champions League. Seulement 25 vont repartir, c'est-à-dire il n'y en a même pas un sur deux. Oui, il y en a pas un sur deux, donc Toujours difficile ce choix tactique entre prendre des risques ou bien aller chercher quelques secondes par-ci, par-là. Je pense que tout dépend de son cheval aussi, si on le connaît très bien.